Politique. Kumasi, Ndoiremon, Assisé, Bakongo. Nous sommes condamnés à travailler ensemble. Vainqueur déclaré par la commission électorale indépendante aux élections municipales à Kumasi, Ndoiremon veut faire du vivre ensemble la peine angulaire du développement de la commune pour les 5 prochaines années. Pour ce faire, il entend travailler de concert avec son adversaire politique Ibrahim Cissé Bakongo. C'est ce qu'il a exprimé le jeudi 25 avril 2013 au cours d'une conférence de presse animée à son quartier général à Kumasi 05. Nous sommes condamnés à travailler ensemble. Il est le député de la commune, je suis le maire. Ensemble, nous pouvons développer cette commune au nom de l'alliance RHDP. Je suis habitué à collaborer avec d'autres partis politiques. Le FPI en est la preuve, a laissé entendre le premier magistrat de Kumasi. Poursuivant, Ndoiremon a souhaité que cette collaboration à venir se fasse dans le respect mutuel et dans un climat apaisé. Revenant sur la crise post-électorale, le conférencier a déploré et condamné les violences survenues avant et après la proclamation des résultats. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé à Kumasi. Je condamne cette forme de violence. Nous avons montré lors des législatives l'exemple en demandant à nos militants d'accepter la défaite, a-t-il regretté. Afin de panser les plaies de cette crise, Ndoiremon entend poursuivre le processus de réconciliation entamé depuis la fin de la crise post-électorale. »